Excusez-moi, je vous avais pas vu. J'amenais mes petits monstres faire la sieste. Ah oui, mes petits dodos, hein, ils vont faire des beaux gros dodos. Hein. Mais suis-je nous et je me suis même pas présenté. Musique! Je m'appelle Monsieur Topinambour, le meilleur gardien de monstres, de monstres domestiques. Je connais tout sur les monstres, je suis... le spécialiste! Oui, c'est pour ça que dans le quartier, tout le monde fait appel à moi pour les garder. Vous savez, adopter un monstre, c'est toute une responsabilité. Si tu le dresses bien, ton monstre peut apprendre toutes sortes de tours impressionnants. Tu peux lui montrer à tricher aux cartes. Ou à faire des bulles avec son nez. Ou à répéter tout ce que ton petit frère dit. Mémémé. 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 Oh, c'est amusant et très pratique. Par contre, si tu l'élèves pas comme il faut, il va se mettre à faire plein de bêtises. Les monstres sont très gourmands, ils se nourrissent de légumes et de fruits. Mais savez-vous ce qu'ils aiment vraiment? Plus que tout, ce sont les courges. Oh oui, les courges! Les tartes à la courge, les gratins à la courge, les lasagnes à la courge, les muffins à la courge, les sandwichs à la courge, et toutes sortes d'affaires de même à la courge. À la courge. À la courge. La courge. Oh, oh, je suis en train de leur ouvrir l'appétit, moi. Ah, non, non, mes petits monstres, la collation, c'est après la sieste. Laissez-moi aller les border, je reviens tout de suite. Fais dodo, mon petit monstre. Dodo, allez, allez, fais dodo, mon petit monstre. Dodo, allez. Ah non non, c'est non, non pas trop, non. Oh là 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 là, oh, ils sont vraiment turbulents, j'arrive pas à les endormir. Oh. Je vais avoir besoin de votre aide. Je connais une comptine qui fonctionne à tous les coups. Elle est facile à apprendre. Je vais la faire en premier et vous allez répéter après moi, d'accord? Très bien. Alors ça va comme suit. Monstre, 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 mon petit monstre. À vous. Monstre, 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 mon petit monstre. Oui, très bien. Deuxième phrase. Fais dodo dans ton berceau. À vous. Fais dodo dans ton berceau. Mais super, vous êtes bon! Musique! Êtes-vous prêts? J'ai rien entendu. Êtes-vous prêts? Et c'est parti! Monstre, 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 mon petit monstre. Fais dodo dans ton berceau. Encore! Monstre, 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 mon petit monstre. Fais dodo dans ton berceau. Plus fort! Monstre! Monstre, monstre, mon petit monstre. Fais dodo dans ton berceau. Allez, monstre, 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 mon petit monstre. Fais dodo dans ton berceau. Oh, vous entendez comme il ronfle? On a réussi! Saviez-vous qu'aujourd'hui même, ça fait plus de 10 ans que je garde et que je dresse les monstres? Quand on en garde un, pas question de le laisser sans surveillance. Oh non!
même bien dressés, ils aiment jouer des tours et être turbulents. En ce moment, à la garderie, j'ai 3 monstres. Laissez-moi vous les présenter. Les monstres que je garde sont tous très différents les uns des autres. Celui que je garde depuis plus longtemps est l'arc. Allez, viens ici, mon petit. Ici, mon petit. Grâce à son air incroyablement féroce, il a longtemps été utilisé comme monstre de garde pour protéger les maisons. Pourtant, l'arc est un monstre doux et bon. C'est toujours celui qui me fait le plus de bisous avant de rentrer chez lui. Le cri de l'arc ressemble à son nom. Faites-le avec moi. Oui, c'est ça. Oups, on l'a réveillé. Par terre. Oui, oui. Arc, il y a du monde. Allô? Allô? Arc, bonjour, monsieur Topinambour. Fatigué. Allez, viens ici, la sieste n'est justement pas terminée. Allez, chut, 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 chut. Viens te coucher, ta. Allez, dodo mon arc, voilà. La courge préférée de l'arc est la courge griffe du diable. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle a une forme spéciale, comme si elle portait une couronne de griffes. Nous, les humains, on n'en mange pas. Elle est trop dure pour qu'on la croque. Mais l'arc, lui, avec ses dents pointues, est capable de croquer la courge. Ah, griffe du diable! Il adore ça! Le deuxième monstre de la bande est le fui. Ouf! On peut le repérer grâce à l'odeur de moutarde qu'il répand derrière lui. Ouh! Allez, viens ici, mon petit fui. Allez, tu, tu, tu. Il est petit et très malin. Il connaît les meilleures blagues, les pires mauvais tours. Et grâce à ses 2 petites ailes juste ici, il peut atteindre les cachettes les plus introuvables. Ce qui est parfait pour vous si vous avez un petit frère insupportable qui veut toujours jouer à la cachette. Hein? Hein? Cachette? Non, pas cachette, dodo! Bouh, pas dodo! Ah, 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 cachette! Je t'ai trouvé! Cachette! Non, pas cachette, dodo! Dodo. Oui. Fais dodo. Ah. Mon petit monstre. Dodo. Ah. Allez, viens ici, mon petit fui. La courge préférée du fui est la citrouille Baby Boo. Baby Boo! Elle s'appelle comme ça parce qu'elle aussi elle a une forme spéciale. Elle est toute petite. Elle pourrait tenir dans une seule main. À l'extérieur, sa peau est blanche. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Baby Boo! Boo! Comme les fantômes qui font Boo! D'ailleurs, le cri du fui, c'est ça. Boo! Faites-le avec moi. Mais pas trop fort pour pas réveiller les monstres. Boo! Et finalement, le troisième monstre que je garde s'appelle l'orgue. Allez, viens ici. Passez-moi le ballon. Est-ce que je joue tout seul?
Il parle toujours dans son sommeil. C'est un monstre super amusant. Il est grand comme les humains et adore les sports. J'adore les sports. On s'ennuie jamais avec un orgue. Mais c'est un monstre extrêmement bruyant et salissant. Il grogne tout le temps et sautille quand il est excité. Boing! 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 On saute! On saute! Ouais, ouais, on saute! Ouais, ouais, on saute! Allez, 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 vas-y! Boing! 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 Oh, oh! Oh, ça doit être Madame Zucchini, la directrice du jardin botanique. Allez, viens ici. Oh, dodo, mon orgue. Oh non, pas dodo. Oui, dodo. Un, deux, trois. Allez, viens coucher. Allez, oui, oui, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Allô? Oui, Madame Zucchini, comment allez-vous? Oui, écoutez, je promenais mes petits monstres pour les endormir. Ah oui, je suis désolé. Oui, 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 ça se reproduira plus, merci, au revoir! Ouh. Où est-ce qu'on en était déjà? Ah oui! La courge préférée de l'orgue est de la famille des gourdes. Elle s'appelle la gourde Zucca Giant! Zucca Giant! Zucca Giant, Zucca Giant! Elle s'appelle comme ça parce que c'est une très grosse courge. Elle peut mesurer jusqu'à 80 cm de long. L'orgue, lui, préfère les plus jeunes gourdes qui sont plus petites et qui goûtent un peu comme les courgettes. Et voilà! Maintenant, vous connaissez tout sur mes petits monstres. C'est drôle, je les entends plus ronfler. Les entendez-vous? Disparu! Disparu! Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce que je vais dire à leur maître et maîtresse quand ils vont venir les chercher tout à l'heure? Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Les monstres! Ils sont revenus! Oui, 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 j'arrive, j'arrive! Allô? Ah, c'est vous! C'est Madame Zucchini, la directrice du jardin botanique. Oui? Comment? Vous les avez retrouvés? Mais où ça? D'accord, d'accord, merci, au revoir, au revoir! C'était Madame Zucchini, la directrice du jardin botanique. Elle vient de voir les monstres manger toutes les courges du jardin ancestral. Il n'est peut-être pas trop tard. Si je pars maintenant, je peux peut-être encore les rattraper. Oh, par là! Non, non, mais bien sûr, ça va aller mieux avec mon carrosse! Allez, à la recherche de mes petits monstres, souhaitez-moi bonne chance! Oh, mais non, bien sûr, le jardin ancestral est de l'autre côté! Au revoir! Au revoir!